السلام عليكم اهلا بكم من جديد في هذا الفيديو غادي نديرو مجموعة من التمارين دونك اون سيري ديكزارسيس سلسلة من التمارين اللي غادي نشوفو فيها جوج ديال الانواع ديال التمارين التمارين اللي كنسميوهم لا ريستتوسيون دي كونيسونس او استرداد المعارف ثم تمارين اللي كتدخل ضمن لو ريزونمون سيونتيفيك اي لا كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك او الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني في دي كونيسونس عندنا تمارين اسئله مباشره ديال الدرس بحال مثلا صحيح او خطا اصل بسهم املاء الفراغ اكسيتيرا املاء الوثيقه اكسيتيرا بالنسبه للنوع الثاني ديال لي فهي تمارين متعلقه كتعلق بالفهم وكذلك بالقدره على تحليل الوثائق على بناء استنتاجات على فهم تجارب على صياغه اجوبه اكسيتيرا يعني اول حاجه غادي نبداو بها غنبداو بلا غيستيتوسيون دي كونيسونس نشوفوا هذا التمرين الاول لي اكزاكت او اختار اقتراحات الصحيحه le nerf conduit l'influx nerveux العصب موصل للرسائل العصبيه او السيالات العصبيه l'influx nerveux na au niveau du cerveau lors de la sensibilité consciente خلال الحساسيه الشعوريه بحال مثلا حاسه حس, مثلا لمس ايترا فالرساله العصبيه او السياله العصبيه تتولد تنشا على مستوى لو سيرفو يعني على مستوى المخ lors de la sensibilité consciente, خلال la hasasiya La vue est un organe de sens. Al هو huadun من adat الحس his. Yani, qui est d'entrée dans Des le récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Donc, là, on va redire la vidéo en pause ou redire la réponse à la question. Alors, la réponse, tu as ici le nerf conduit l'influx nerveux. C'est vrai, donc on va mettre un croix dans l'affirmation exacte. L'influx nerveux naît au niveau de, du cerveau lors de la sensibilité consciente, sinon parce que l'influx nerveux naît au niveau d'un récepteur qui se trouve dans les organes sensoriels. Alors, au niveau de l'œil, au niveau de la peau, au niveau des oreilles, du nez, etc. Donc ça, ce n'est pas vrai. La vue est un organe de sens. La vue, c'est le nom du sens. Il y en a des ismes, le hassa. ça n'a pas de sens. il y a hassa. y a Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau, c'est vrai. Donc, dans la peau, on a pas mal de types de récepteurs. Des récepteurs de la pression, des récepteurs de la température, la chaleur, le froid, des récepteurs qui nous permettent de ressentir la douleur, etc. Donc, on va mettre un croix ici. C'est vrai, des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau, c'est vrai. La question 2. Compléter le texte en utilisant les termes suivants. Et nas transmet, Effecteur estagibo, la moustagib, moteur haraki, muscle adala. Alors, un nerf moteur, le message nerveux depuis le centre jusqu'où, qui est l'organe. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Alors, le nerf moteur transmet le message nerveux, moteur il moteur depuis le centre nerveux c'est-à-dire le cerveau jusqu'au muscle jusqu'au muscle qui est l'organe effecteur voilà alors un nerf moteur Asab transmet le message nerveux moteur ينقل الرسائل العصبية الحركية اللي كنسميهم لي زانفلو نيرفو موتور من المركز العصبي يعني خاصنا نزيدو نيرفو الى العضلات من المركز العصبي لو الى العضلات يعني وهذه العضلات هي العضو المستجيب اذا العضله عندما تصلها الرساله العصبيه التي interprilot fille démarre à la le cerveau au niveau du cerveau au niveau de la de, de l'air motrice qui se trouve au niveau du cerveau et elle est transmise vers le l'organe effecteur par les nerfs moteurs bien sûr question 3 associe à chaque élément du groupe A sa définition dans le groupe b دونك قلنا دي تارم ايسي لان هنايا مصطلحات هنا التعاريف ديال هاد المصطلحات ارك ريفليكس قوس الانعكاس فيبر نيرفوز سونزيتيف موال إبينيار، اي موسكل ارك ريفليكس قوس الانعكاس لي فيبر نيرفوز سونزيتيف او لا اون فيبر نيرفوز سونزيتيف ليف عصبي حسي موال إبينيار نوخها الشوكي اي موسكل العضلة تي بو مت لا فيديو اون بوز Et répondre à la question. Réponse Le réflexe, arc-réflexe, c'est le trajet des influx nerveux dans un réflexe. Ou, ma la, On a la fibre nerveuse, c'est son rôle, c'est le transport de l'influx nerveux sensitif. ou, n'a خلال الحساس حاسة معينة يعني لو ترونسبور دي زانفلو نيرفو سونزيتيف نقل الرسائل العصبية الحسية أو السويلات العصبية الحسية لا موالي بينيغ سي تان سونتر نيرفو دان ريفلكس هي مركز عصبي انعكاسي أو مركز عصبي بصفة عامة للحركات اللا إرادية الانعكاسية et لو موسكل c'est un organe effecteur او Ou Moustajib, ou Moustajib Haraki, moteur. Question 4. Choisir la bonne réponse parmi les propositions suivantes. La substance grise de la moelle épinière est périphérique. Contient des corps cellulaires. Contient des fibres nerveuses. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Réponse. La substance grise de la moelle épinière est périphérique. C'est faux. Elle est centrale. Contient des corps cellulaires. La substance grise toujours contient des corps cellulaires, soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière. C'est vrai. Contient des fibres nerveuses. C'est faux. C'est la substance blanche qui contient les fibres nerveuses, soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière. On passe à la question B. Alors tu as ici la section d'un nerf radiculaire entraîne. Asab morzabib nocha shouki, nous mettions asab shouki. You la paralysie ou shalal une perte de la sensibilité générale. Fouqdan hassasiel lama ou hassel Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. La section de, du nerf rachidien entraîne paralyser, elle, c'est vrai. Et la perte de la sensibilité, ça peut être vrai aussi. Question c'est La racine postérieure du nerf rachidien conduit à l'influx nerveux sensitif, à l'influx nerveux sensitif, l'influx nerveux sensitif, l'influx nerveux sensitif. Influx nerveux moteur et sensitif. Influx nerveux moteur. Influx nerveux sensitif. Influx nerveux moteur et sensitif. Influx nerveux moteur. Tu vas choisir la proposition qui est exacte. Adidrtal Jawab Sahih. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. La racine postérieure du nerf rachidien conduit. Donc, le, le nerf rachidien contient deux racines. Une racine postérieure et une racine antérieure. Qui mèche-t-il Le schéma de la moelle épinière. Donc, la racine postérieure, on t'a l'air de la tja-garebe, t'a l'air de la moelle Donc, ça, c'est vrai. Moelle épinière ou Non. Moelle Non. C'est un conducteur sensitif seulement. La racine postérieure est un conducteur sensitif, c'est-à-dire il conduit l'influx nerveux ou les influx nerveux sensitifs. On arrive maintenant à la question numéro 5. Anotez le schéma et tracez en bleu le sens de l'influx moteur. C'est-à-dire on va légender le schéma. Et ensuite, on va tracer la, le trajet. Le trajet des influx nerveux moteurs, le sens. Il part de quoi et il arrive à quoi. Tu peux mettre la vidéo en pause. Alors le premier élément est le muscle ou le élément, C'est l'air motrice. C'est l'air motrice. Et le deuxième élément c'est le bulbe rachidien, bulbe rachidien, le si le bulbe Et le troisième élément, c'est quoi C'est un muscle, c'est un muscle, c'est l'organe effecteur ou bien l'effecteur moteur. Il te reste maintenant à dessiner le trajet, le trajet des influx nerveux. Moteur, tu peux mettre la vidéo en pause et, et tracer le trajet. Alors on dessine maintenant le trajet des influx nerveux lors de la motricité volontaire. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement volontaire, on réfléchit à effectuer le mouvement, et dans une partie de cette zone du cerveau qu'on appelle l'air motrice, on a la naissance de l'idrissala asabiya fi adhi on تنتقل L'asthme est dans le sens de la bouche, puis il s'adapte aux muscles, qui sont les muscles de la bouche. Ici, l'asthme montre le trajet des influx nerveux moteurs. C'est la voie motrice, c'est-à-dire l'ensemble des fibres motrices qui conduisent l'influx nerveux de l'air motrice vers les muscles. Question 6. Cette phrase indique... دي زيفينمون كي اون ليو لورسكولون نوطون لا صونغي دو تيليفون كلاسي سي زيفينمون دون لأن هذه الجمل تمثل الأحداث التي تقع خلال سماعنا لرن ren... أو رنات الهاتف yani المطلوب هو ترتيب هذه الأحداث حسب يعني ترتيب منطقي العنصر الذي يحدثه أو الحدث الأول الحدث الثاني إلى الحدث الأخير Alors, A, conduction de l'influx nerveux. B, naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille. Stimulation du récepteur, analyse de l'influx nerveux, sensitif bien sûr, par l'air auditif. conduction de l'influx nerveux. Naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille. توليد الرسالة العصبية على مستوى الأذن ستيمولاسيون دو ريسبتور تهييج المستقبل أناليز دو لانفلو نيرفو باغ لاغ أوديتيف إذن المطلوب هو وضع أرقام في هذه الخانات بحيث نقوم بترتيب هذه الأحداث من الحدث الأول إلى الحدث الرابع تي بو لا فيديو أون بوز Alors réponse Lorsqu'on entend une voix, on a un, une série d'événements qui ont lieu. D'abord, on a la stimulation du récepteur par le son. On va mettre un ici. Deuxième événement, c'est la naissance de l'influx nerveux au niveau de l'oreille. C'est ça le deuxième événement. Troisième événement, c'est la conduction. الى باحة المسؤولة عن الحاسة يعني سي لا تخوازيام تخوازيام إيليمون كاتيام إيليمون سي لاناليز دو لانفلو نيرفو باغ ليغ اوديتيف او تحليل الرسائل العصبية على مستوى الباحة او باحة السمع يعني اولا عند سماع صوت ماذا يحدث اولا يتم تهيج المستقبلات بواسطة الصوت دان الصوت هو مهيج ستيمولوس بور لوغاي او بيان بور لي ريسيبتور كي سو تخوف او نيفو دو لوغاي دوزيامون او نيفو دو سي ريسيبتور هنا لا نيسونس توليد الرسالة العصبية حسية بيان سور على مستوى الاذن على مستوى المستقبلات الموجودة في الاذن ثالثا توصيل هذه الرسالة التي تتولد على مستوى المستقبلات على مستوى الاذن توصيلها بواسطة عصب إذن غنسميه لو اوديتيف في اتجاه إذن توصيلها إلى الجزء من المخ المسؤول عن حاسة السمع واللي هو لير اوديتيف إذن لير اوديتيف سي سي إل كي غا غوسوفواغ دابور لانفلو et de l'analyser et de l'interpréter pour comprendre le son et pour euh, enfin euh, communiquer avec notre environnement. Et voilà, cette vidéo est terminée.